Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayon terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, voici votre récompense. C'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Ce talisman peut créer beaucoup de dégâts chez l'adversaire. Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. 40 au fil des épreuves. Allez, plus fort! Au gré de la nature. C'est quoi ça? Le corps commence à prendre cher. Forcément, on ne mange rien. C'est dur. Et face aux autres... On casse les couilles. Attends, je vais péter un câble. Sur Koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. Putain de merde. Ça saoule. De toute façon, jusqu'au bout, j'aurai confiance en personne. Encore, allez. Allez, on va le chercher. Je vais pas vous lâcher. Jamais. Il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Philippines, go! Au large de la presqu'île de Caramoan, 20 nouveaux aventuriers ont débarqué. C'est une belle aventure qui commence. Elena et Nicolas, vainqueurs de la première épreuve, ont composé les équipes rouge et jaune. On va choisir Martin. Martin. Clémence. Clémence. Les deux tribus ont réussi à faire du feu. Mais ceux qui enchaînent les victoires, ce sont les jaunes. 3 d'affilée et un moral au top.
Et cerise sur le gâteau, la dernière récompense leur a permis de découvrir les merveilleuses rizières de cette région des Philippines. Ah là, c'est génial. J'ai jamais pu conduire comme ça. Je croyais jamais que ça me serait arrivé dans la vie. Et de rentrer sur leur camp avec 3 kilos de riz. Ça, c'est bon, ça. De quoi reprendre espoir. Enfin, on va pouvoir manger, ça va faire plaisir. Autre avantage pour les jaunes, comme ils ont remporté l'épreuve de confort, le détenteur du feu sacré, en l'occurrence le rouge Rudy, s'est vu obligé de le transmettre à un aventurier jaune. Il a choisi la jeune Tania, de longue date sa complice. D'avoir le feu sacré, c'est du pain béni pour moi, honnêtement. Je pense que tous les autres aventuriers de mon équipe sont dégoûtés s'ils voulaient me voir partir. Gros avantage pour la jeune diététicienne. La victoire pour les jeunes. Car suite à la défaite des Tinagos sur l'épreuve d'immunité... Ah, elle arrive, Tania, regardez. Allez, Tania. Tania a pu interférer dans les stratégies rouges et assister à leurs conseils. C'est un pouvoir incroyable, le feu sacré, et j'espère l'utiliser à bon escient. Briefée par sa tribu, Tania a choisi de protéger Christine, considérée comme faible par les jaunes. Les rouges, eux, ont préféré se séparer d'Alexandre, dont le goût prononcé pour la stratégie effrayait certains de ses camarades. Et leur sentence est irrévocable. Les Rouges sont revenus à 8 sur leur camp, avec une Élodie plus que soulagée. La responsable marketing était persuadée de sortir. Je pensais partir hier. Mon nom s'est retrouvé sur les pancartes, ça fait jamais plaisir. J'étais en balance avec Alexandre. 3 voix contre Élodie. 3 voix également contre Alexandre. Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif. Alexandre. Finalement, ils ne m'ont pas éliminé. En fait, je pensais vraiment être éliminé à l'unanimité. Je pense que, voilà, il va quand même falloir faire attention à moi. Ils me trouvaient trop négative. J'ai envie de tout péter. Pourquoi ? J'ai envie de tout péter, c'est tout. Pour moi, ma négativité était clairement mise en rapport avec, en relation avec le fait qu'ils n'arrêtaient pas de parler et que j'étais jamais dans les conversations. Hello, il faut que tu calmes un peu le jeu là. Du coup, ben voilà, c'est pour ça que ça va changer. Toutes les ondes négatives, je vais les garder sur le côté et je vais garder que le positif, mon sourire légendaire que tout le monde aime. Et si j'ai envie de pleurer un jour, j'irai me cacher dans la forêt. D'accord, pas la bonne noire, faut que tu sois heureuse. Je vais rigoler, je veux dire. Écoutez, Denis. Et bien maintenant, j'ai décidé de tout prendre à la rigolade. Franchement, je me suis déjà conditionnée. Voilà Élodie transfigurée, enfin redevenue positive. Chez les jaunes, c'est Tania qui rayonne. Elle revient parmi les panimans avec le sentiment du devoir accompli. Comme demandé par eux, elle a protégé Christine. J'ai senti Christine affaiblie. Ouais, Christine, pareil, ouais. Elle était un peu au bout. Tania sait que les jaunes doutaient de sa loyauté et comptaient même l'éliminer. La cadette a tout fait pour les satisfaire. Salut les paninis. Salut Tania. Il y avait du croustillant ou pas? Ouais, pas mal. Ah. En tout cas, c'est bénéf pour nous, je pense. Concernant les votes, etc. Donc, tout le monde se sent en danger et personne m'a dit « Ouais, moi, je vais voter ça. Moi, c'est, moi je me sens en danger, honnêtement. Voilà, il n'y a personne qui est venu me concerter dans la journée. Je ne sais pas qui je vais voter. » Ah, non, t'as personne. T'as pas vu quelqu'un à l'écart. Tout le monde était là. Et en fait, de là, j'ai parlé avec Rudy à un moment donné. Et même lui, il me dit qu'il est en danger ce soir. Et je lui dis « Rudy, honnêtement, entre toi et moi, tu peux pas me dire que t'es en danger. Voilà. » Au final, au conseil, il a eu des voix, Rudy. Et j'ai pas donné mon vote à Rudy. La protection, je l'ai donnée à Christine. J'avais le choix entre Christine, Alex. C'était vraiment les deux que je chantais le plus sur la sellette en soi. Je mens au jeu, malheureusement.
sur le fait que Christine était en danger. Christine n'était absolument pas en danger hier, alors que je savais que ça allait se jouer entre Alexandre et Elodie. J'ai choisi Christine sachant que les jaunes voulaient la garder et la maintenir dans le jeu. Et au final, il y a eu des votes pour Rudy, Elodie et Alex. Rudy, Elodie et Alex, c'est pas Christine. Elodie, du coup Alex. Combien? Donc Alex, c'est parti. Ouais, c'est Alex qui est sorti. Ah, ils ont pu sortir un autre. Et ils étaient dégoûtés. Hein. Et donc, ça, zéro vote contre Christine. Zéro vote contre Christine. L'élimination d'Alexandre, on s'y attendait pas du tout. Ouais, c'est une grosse surprise que les rouges aient mis un maximum de voix directement sur Alexandre, qui est un garçon, qui est plutôt costaud et qui me semble-t-il, moi j'aurais personnellement gardé dans l'équipe au regard de la situation des épreuves. Mais au final, le choix d'Alex, c'est juste qu'il a perdu à la voix ou parce qu'ils ont considéré que c'était aux épreuves qu'il devait pas sortir en fait. Ils auraient préféré limite que Elodie sorte. Et Rudy était donc sur la sellette quoi. Après, peut-être ils m'ont menti, hein. Mais je vous jure, là, c'est pas très évident. Hein. Oui, quand tout le monde est sur toi, t'es là. Ouais. Donc voilà, moi, j'ai fait mon travail hein, au niveau des deux équipes. Moi, je passe. Sur Koh-Lanta, des fois, faut pas faire trop de bruit. Il faut juste voilà, éviter les conflits et se faufiler entre les filets pour passer. Quoi. Je suis agréablement surpris, donc merci. Ouais. Chapeau. Ouais, c'est bien. Merci de reconnaître. Merci, Quentin, c'est gentil. Je pensais que Tania allait protéger Rudy coûte que coûte. Là, Rudy était en danger, il a même eu quelques voix contre lui. Elle l'a pas choisi pour le défendre, donc c'est tout à son honneur. Et puis pour moi, c'est une jaune aujourd'hui, donc c'est parfait. Clairement, Tania, elle a fait le job. Elle a clairement fait le job par rapport à ce qu'on lui a demandé. Tania a simplement prouvé que en protégeant Christine, elle suivait les conseils de l'équipe des jaunes et c'est tout ce qu'on lui demandait. Les jaunes sont contents que j'ai pas donné le talisman à Rudy, que voilà, j'ai suivi la stratégie de base. Donc honnêtement, je suis bien avec les jaunes là, je suis bien avec Rudy, donc tout va bien pour moi. Voilà. Il m'a dit voilà, j'ai mis Christine, parce qu'il m'a dit Christine de base. Elle fait du temps manger. Hein? Il adore. Parce qu'en fait, c'est un couteau suisse sur le camp. D'accord, ok. Même moi, là. Incroyable. Tania, quand elle est revenue, elle a joué un jeu incroyable devant tout le monde. Parce que même moi, bah, j'y ai cru. Elle a bien joué le jeu, la vérité, mais moi j'y ai cru en vrai. Bah ouais. On va attendre. C'est vrai que si nous deux, on va à la réunification là-bas, même avec nous, on serait très très bien. Ah non, mais on descend tout, j'ai marre. Je suis fière de mon coup pour le moment, parce que c'est le début. Attends, j'attends de voir ça dans quelques jours, parce que avec Koh-Lanta, il y a tellement de rebondissements qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Tania est fière de son tour de passe-passe et garde secrète sa proximité avec Rudy qui lui permet d'avoir un pied dans la tribu rouge. Les deux équipes vont d'ailleurs de nouveau s'affronter sur une épreuve de confort. Bouteille les gars! C'est en jouant avec le feu que vous serez sacrés. Prenez vos sacs, vous pourriez en avoir besoin. Oh là là là. Ça veut dire, ça veut tout dire là. Putain. Attends, mais pourquoi pour un confort il faudrait qu'on prenne nos sacs? Ah bah parce que du coup on va pas dormir ailleurs. Oui. On dort ailleurs. Alors. Donc ça peut être un confort mais on dort ailleurs. Par contre, ouais, bah oui. Est-ce qu'on est chaud les jeunes? Oui. Fanny, oui. Fanny, oui. Fanny, ah. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Avant toute chose, Tania, le talisman est remis en jeu. Je vous demande de venir le placer sur la torche du feu sacré. Aujourd'hui, les rouges, les jaunes, c'est une journée très particulière. Parce que vous allez être totalement maître de votre destin. Ou maître de votre échec. Parce que vous allez disputer une épreuve individuelle. Avec l'objectif, évidemment, de gagner. Parce que celui ou celle qui l'emportera récupérera le talisman et profitera, évidemment, de son pouvoir que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Attention! Malheur au vaincu. Le dernier, le moins bon,
de ce jeu individuel aujourd'hui sera éliminée sur le champ.